forcément quoi. Là. D'installation du nouveau bureau exécutif de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC. Permettez-moi avant toute chose de remercier l'ensemble de l'exécutif de l'ASAC de manière générale, et en particulier son président, M. Thierry Kepeden, pour l'insigne honneur qu'ils me font de présider pour la deuxième fois la présente cérémonie et pour la séance de travail de plus d'une heure, Monsieur le Président, que nous venons d'avoir en huis clos. De même, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux différentes personnalités invitées, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, par leur présence, marquent l'intérêt qu'ils accordent à l'industrie camerounaise des assurances. De même, je ne peux omettre d'adresser mes félicitations aux membres sortants du bureau exécutif pour le travail accompli. À propos de bilan du bureau exécutif, il me plaît d'apprécier, entre autres, le début d'assainissement de la branche automobile à travers la mise en place de nouvelles attestations, la centralisation des attestations d'assurance, l'opérationnalisation effective de la plateforme ASAC Unifi de souscription des attestations automobiles. Par ailleurs, il y a lieu d'apprécier l'acquisition d'un site en plein centre-ville à Arcois, vous en avez parlé, qui va abriter le siège de la corporation. Dans le même ordre d'idées, je relève également pour m'en féliciter l'augmentation du chiffre d'affaires qui a progressé de plus de 10% entre 2021 et 2022, passant de 211 milliards à 253 milliards de francs CFA. Enfin, nous apprécions tous les succès de l'opération d'évaluation du stock des fonds en déshérence auprès des sociétés d'assurance vie. Toutefois, au-delà de toutes ces réalisations, il n'en demeure pas moins que plusieurs chantiers restent à lancer. Je citerai volontiers entre autres, premièrement, l'amélioration de la cadence de règlement des sinistres, pierre angulaire de l'activité d'assurance. Car, comme vous le savez, le règlement des sinistres constitue la vitrine de votre activité à travers laquelle le public porte légitimement un jugement sur votre profession. Beaucoup reste à faire sur ce plan-là. En deuxième lieu, l'exploitation efficace et efficiente de la plateforme de suivi de la commercialisation et de la centralisation des attestations d'assurance automobile qui doit permettre la lutte contre la fraude en assurance dans la branche automobile et par conséquent accroître le chiffre d'affaires de cette branche. La rencontre de ce jour me donne l'occasion de stigmatiser avec force la non-appropriation de la plateforme de suivi et de commercialisation des attestations automobiles, ce qui a constitué à mes yeux un obstacle à notre volonté commune d'assainir le marché. Je salue les améliorations constatées depuis lors, mais je reste vigilant quant à certains dysfonctionnements volontaires qui pourraient survenir. Troisièmement, la liquidation de tous les recours subrogatoires en instance qui empêchent le décollage de la convention IDA. Quatrièmement, la collecte et la sécurisation des ressources financières de l'État par la mise en place des dispositions nécessaires pour encadrer efficacement vos réseaux en vue de sauvegarder les deniers publics collectés par vos structures dans le cadre du mécanisme de droit de timbre automobile et la taxe sur la valeur ajoutée.
Cinquièmement, la dématérialisation des attestations d'assurance automobile qui permettrait, à défaut d'éradiquer et de réduire de notre activité les tares tels que la sous-tarification et le détournement des primes. Sixièmement, le transfert effectif des fonds en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations, nouvellement rendue opérationnelle par le chef de l'État en dernier lieu. La mise sur pied, vous en avez parlé, de la Compagnie nationale de réassurance, Camerounerie. À cet effet, il me souvient, vous l'avez dit, qu'il y a 2 ans, lors de votre prise de fonction, nous nous sommes promis de parachever le processus de création de la Compagnie nationale de réassurance. Cette initiative que j'ai personnellement portée et fortement encouragée est restée sans suite jusqu'à date, mais lors de notre UCO tout à l'heure, je crois qu'on a suffisamment parlé et nous avons vu quelles sont les conditions pour une opération.